Pourquoi j'ai décidé de faire un livre sur les évaporées? En fait, l'occasion s'est présentée. En fait, alors c'était une proposition de l'éditeur qui me disait, tiens, il y a un livre qui se passe au Japon, ça parle de ce phénomène-là, ça peut t'intéresser puisque tu es à moitié japonais. Et donc je l'ai lu, et puis bah voilà, ça m'a intéressé. C'est vrai que au départ, j'ai décidé de faire cette adaptation parce que, bon, bien sûr, j'ai un côté, enfin, voilà, c'est un peu affectif par rapport au Japon. Et j'avais jamais fait de bande dessinée qui se passait là-bas, donc je me suis dit, tiens, il faudrait vraiment que, voilà, il faut. J'avais toujours eu peur, en fait, par rapport au paysage urbain, le fait de représenter le Japon correctement, sans trop être dans le cliché, tout ça. Et il y avait aussi, donc, par rapport à ce phénomène-là, bah, j'ai pas de. C'est pas vraiment comment dire, Alors, c'est le proche de quelqu'un, donc. À qui c'est arrivé, quoi. Donc, il y avait aussi, bah d'ailleurs, je l'ai aussi mis dans mon adaptation. Voilà. Donc, je me suis dit que je pouvais aussi parler plus, de manière plus personnelle, en fait, de ce phénomène-là, sans que ce soit l'adaptation vraiment mot pour mot du roman. Donc, vu que c'était la première fois que je faisais ce travail d'adaptation d'un roman. J'avais fait ça avant pour un scénario, mais bon, voilà, c'est un peu différent. Donc là, vraiment, je partais de quelque chose. Enfin, j'avais peur de dénaturer le roman, donc j'étais resté sur quelque chose de très fidèle au début. Et en faisant lire à l'éditeur, ben, il m'a dit non, 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 il faut que tu te l'appropries et que tu fasses quelque chose de plus personnel. Et donc, deuxième essai, où là, je me suis un petit peu plus, on va dire, je me suis un peu lâché, et j'ai mis pas mal d'éléments qui ne sont pas dans le livre, et enlevé des passages aussi qui étaient au niveau du rythme, en fait, ça cassait un petit peu, donc, voilà, le rythme de l'histoire, donc j'ai. J'ai fait des modifications comme ça, tout en essayant de garder quand même l'essence du roman. J'ai toujours travaillé en noir et blanc. Il y a juste une bande dessinée qui s'appelle Le Clapas, où là j'ai mis un peu de couleur, mais à la base, moi, je suis très. Voilà, enfin, pour moi, la BD, c'est du noir et blanc. Et donc, au début, c'est vrai qu'on s'était dit, on n'avait pas vraiment parlé de si on mettait de la couleur ou pas. Mais au fur et à mesure de l'avancée du travail, enfin, donc, j'allais de plus en plus vers quelque chose de l'ordre du. On va dire, j'étais plutôt inspiré par le manga des années 70, avec beaucoup de trames, tout ça. Et donc on s'est dit, bah, que c'était pas la peine de mettre du noir, enfin de la couleur. Je devais partir au Japon pour justement, enfin pas seulement, aussi pour revoir ma famille, mais donc en partie pour essayer d'avoir le plus de documentation possible pour la bande dessinée. Sauf que, bah, à cause du Covid, bah, il y a eu beaucoup de difficultés, donc j'ai pas pu y aller. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai Mais géographiquement, j'avais vraiment des endroits très précis. Donc je savais où chercher. Donc j'avais pas mal de photos en argentique de l'époque. Donc je me suis un peu amusé à faire du collage comme ça on va dire, de mes archives, quoi. Et j'ai utilisé aussi pas mal Internet pour voilà, essayer de Donc, par exemple, à tel endroit de la préfecture de Miyagi, je voulais telle route qui aille à tel cimetière. Et donc,
j'ai essayé de retranscrire. Donc en recherchant avec les dates de Google sur Google Street, je fais des choses comme ça. Bon, après, c'était assez amusant à faire aussi de reconstituer les régions qui ont été touchées par le tsunami à l'époque, et d'essayer de reconstituer toutes ces ruines. Voilà. Alors, le personnage de Yukiko, en fait, dans le roman, elle est un petit peu, je crois que, elle est danseuse à San Francisco. Et déjà, il y a un côté qui est un peu détaché du Japon. Et moi, je me suis dit, tiens, mais ça peut, enfin, c'est un peu moi. Du coup, je me suis approprié ce personnage-là. Donc, au lieu qu'elle soit à San Francisco, je l'ai mise à Lyon. Puis, j'ai mis aussi des anecdotes de l'époque où je travaillais dans un restaurant un peu luxueux, enfin japonais. Et donc, j'ai utilisé en fait un petit peu ces anecdotes-là pour m'approprier ce personnage et raconter un peu de moi dans Yukiko. Voilà. C'est un peu donc ce côté où elle est un peu elle est japonaise, mais voilà, ça fait un petit peu longtemps qu'elle est partie, elle est devenue un petit peu étrangère. Donc bon, c'est pas complètement moi, mais voilà, j'ai un peu mis de ça dans Yukiko. Ouais.